Amis téléspectateurs, SPM, bonsoir. Wapam, c'est l'Alan Fritz. C'est un plaisir pour nous encore présents et vivants, sous permission du Tout-Puissant, pour présenter pour téléspectateurs SPM information sans mélange sur l'actualité qui a brassé le pays d'Haïti. Nous disons bienvenue à Super Branché téléspectateurs SPM qui est toujours fidèle dans l'émission pour la Grand Dossier. Bonsoir, PDG Abner. C'est un plaisir pour nous encore présents pour présenter pour téléspectateurs SPM. Toute actualité cap dominée sur territoire national pays d'Haïti. Point qui a dominé actualité à sur territoire national pays d'Haïti, département Grand-Anse, après trois séries opérations menées dans coalition PEP-PNH, rivé démanteler une base qui était déjà établie dans Grand-Anse, département Grand-Anse, qui gagnait pour chef-lieu Ville Jérémy, jour qui était 20 août 2024. C'est tout bon vrai. Population a débarrassé li avec base qui était tranchée yo dans la zone Poundadig et Anse Deno, Chambellan, al tombe Mafran. Bah yo presse. Yon l'autre côté, c'est Saint-Jean du Sud qui a demandé à l'autorité Port-au-Prince yo font un coup d'œil, gardez yo. La caillou dans Saint-Jean du Sud, dans commune ça, t'as déjà une base qui tabli li et qui même déjà baptisé tête li. Li déjà bay tête li yon nom. Bara yo en pile, yo papiti dans territoire Port-au-Prince, pays d'Haïti. Cinq journalistes sous viseur des CPJ pour yo chercher joine arrêter yo partout côté joine yo. C'est ça qui sorti autour de yon recommandation des CPJ lui-même li t'a lancé pour marcher joine pour te mener vini cinq journalistes. Entre-temps, maître Arnel Rémy déjà présenté tête li comme avocat qui pral plaider pour cause pour cinq journalistes sa yo. Et entre-temps, est-ce que c'est distrait les États-Unis à distrait non? Ou bien mélange avec gouvernement qui, selon sa kapale, qui presque la gué coucou rouge, des commissaires qui dans sud pays d'Haïti, Grand Sud, au cas déjà ap mobilisé. Après que vous avez mis sous côté un commissaire qui presque gagne un mois depuis qu'il est installé, il y a l'autre commissaire qui lui-même perd du poste, et il y a l'autre qui sous liste parmi eux, commissaire Miscadin. Et entre-temps, dossier Banade Daniel avancé avec cinq autres journalistes. Qui lui-même, c'est sous plainte, yon lot, pour ne pas dire plainte, c'est plutôt sous dossier, yon lot qui était arrêté. DCPJ a demandé pour fouquer yo. Bah, yon en pile, c'est point ça yo, avec l'autre. Qui pral fait essentiel information, nous pral présenter. Pour amis téléspectateurs SPM, qui toujours fidèle dans l'émission Grand Dossier. Personne pas étonné. Sous élément d'information qui t'est confirmé que département Trésor, les États-Unis d'Amérique, t'a déjà metté sous liste sanction ancien président Joseph Michel Martelly. Mais pour quelques sanctions contre Michel Joseph Martelly, yo t'a pas attendre, c'est pour corruption, blanchiment d'argent, et même si question de mettre appartenance pour ne pas dire gagner et influence sous groupe armé, pas de problème pour société haïtienne qui te attend si on lisse sanction cap sorti, l'étape difficile pour non Michel Joseph Martelly, ancien président de la République, gros artiste devant l'éternel. Pas d'étonner personne. Mais yon nan point accusation mélange ak raison qui a accouché à sanction contre ancien président
Joseph Michel Martelly, ce dossier drogue là. Dossier drogue là étonné en pile monde, il a demandé est-ce que le monde gagne deux États-Unis? Est-ce que gagne youn qui chita dans continent Amérique là? Ou bien l'autre là situé li dans un sixième continent et que continent ça t'a trouvé dans l'espace, surtout dans planète la Lune, ce que eux-mêmes ont gagné comme projet pour y aller vivre là. Puisque en Haïti, depuis ces gros barons qui suspectaient dans le dossier de drogue, les États-Unis ont cherché. Parmi eux, ou te connais déjà le débat un sénateur élu en fonction. Et déjà, il te prend un autre qui était peut-être tout le monde te considéré comme joueur qui c'est Guy Philippe. Et il te mettait et te gagne accusation sous dol, il te purgé peine ni même le victime n'en défend tête li. Mais c'est la police nationale qui t'a arrêté le pimpel aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes capables surtout dans le dossier arrestation sous la mort Jovenel Moïse enquête. John Joel Joseph t'est trouvé li Jamaïque. Il n'a pas traîné vers Haïti. États-Unis t'est Kimbell. Et pour nous citer ça, yo, ça ne pas parler de l'autre arrestation qui fait. Je dis à si USA gagne un dossier. Yo suspecté président nan drogue. Et en même temps, président pas retrouvé sous territoire Haïti. Et comment la parler, Jean Parole lui a fait quoi que yo tabal un petit temps pour quitter territoire. Il a quitté territoire, l'a passé dans un airport quand même pour atterrir vers Haïti. En pile monde commence à comprendre mouvement fin de quoi les États-Unis ont joué dans la question. Et en même temps, il y a l'autre qui t'a avancé pour dire est-ce que le président n'a suspect qu'il a arrêté dans le dossier-là, moi, Jovenel Moïse, pour qu'on ait tracé la donne. C'est ça qu'a parlé. Brian Peel. Entre-temps, admettons que président, ancien président Joseph Michel Martelly est arrivé à Haïti. Comment DCPJ lui-même, qui a mis le mandat des journalistes à l'autre, DCPJ qui gagnait plus passé en cinquantaine, en série de gros babes dans l'État, ULCC à l'autre dossier enquête sous corruption, détournement matériel l'État, n'est qui t'a brasser l'argent l'État mal, yon nan la rue. Genyen qui retrouvé yo soit ailleurs en dehors République d'Haïti, yo pa mette et ça n'arrête les Interpol de yo, et ça kap frite nan Pétionville, nan l'autre département yo, par exemple, arrestation fait pour yo. Et maintenant, comment ancien président pral traverser aéroport? Qui gagne présence DIE, qui gagne présence BLTS, DCPJ, et fort souvent, suivant le type d'accusation, ça yo, c'est pas n'importe qui est capable de traverser l'aéroport ou Saint-Louverture. Allez, ouais, si président, c'est ta même immigration qui t'a mené vivre à Haïti, c'est gros mot. Mais avant tout, dossier ça, c'est yon honte. Yon honte pour société haïtienne. Un homme qui était au pouvoir, un homme qui était un gros mouvement qui était lancé pour résultat de bay en faveur li, et c'est yon tout qui était supporté par l'international pour te bouder d'autres candidats qui ont même une capacité et popularité pour devenir président. Et ceci, même USSR, pas innocent, dans l'élection qui était accouchée avec ancien président Michel Joseph Martelly.
Bagay yo pres, yo pa piti. E an dan sistem de CPJ ya, depi se pou dosye drog, yon moun ta jwen yon deportasyon, de CPJ pa pral bo dwa pou jwen liberasyon tout suite, san ou pa pase antre yon mwa al pou 6 mwa nan prizon. E si toutfwa ou ta genyen dosye bat fam, ou ka pase antre 6 a 1 an avon jwen liberasyon. Bara yo pres. Ambasadeur Ameriken yon, li men, bo kote pal, an kany, li fon deklarasyon ou santi san da ki la pale, e men ambasadeur a konen, petet si se sosyete a isen nan, swa la pase nan betiz, ou bi la pase tet li nan betiz. Person pa kapap kompran, ambasadeur a pale de dosye drog, e pi li pa di ke moun yo suspekte ou bi yo gen dosye pou yo wa, li tou kenbe kote liye al, pat men bezwe vin Haiti pou yal chèche lanko, trop detay. Et d'autre en plus, on li ambassadeur al pale nan mikou la pres pou ap explike sanksyon. Kom gen relasyon ant Haiti avèk les Etats-Unis d'Amérique. Etats-Unis d'Amérique, li nan reyunyon avèk Monsieur Kenya ou tout la jounè, ou kontre se ambassade yal sekurize, PM Gary Conille pat lontan lal devin kote yo la nan fè yujou avèk yo. Di gen relasyon a konsey prezidansyel transisyon an, kote yo tal manje chasi poul avèk li nan ambasad la. Sa vè di gen harmoni. E pou ki l pa remèt dokumen sa, swa bay binu de Madame Isabelle Salvador, ou bien l remèt OEA li, kom sa avèk yo l toujou servi pou regle dosye Haiti. Ou bien le bail carré comme ni, comme carré comme ça, bien faire un 8 ou là, apprendre doléance. Chaque monde qui représentait en dedans gouvernement défilé à quoi que là. Pour le tabac document ça, et que puisque c'est un document sanctionnel pour aider Haïti sortir dans sa vie, et la justice t'a gagné un dossier dans Meni juste pour t'a justifier s'il t'a voulu quimber. Ancien président de qui ça a été reproché ou bien on a enquêté sur question. Mais la question campée au cap haïtien, abjebe de nan mikou la presse, pas mon cap prendre dans mon. Non, pas mon cap prendre. Vous comprenez? Pas mon cap prendre. Et vous qui faites filou, ok? Alors il faut être sûr que quand nous avons pris cette décision aujourd'hui de faire des sanctions personnelles contre l'ancien président, c'était basé sur la détermination que l'ancien président a facilité le trafic de drogue. En 2020, président Biden a fait une déclaration présidentielle qui a donné permission d'imposer les sanctions des États-Unis contre les gens qui sont engagés dans le trafic de drogue. Nous savons depuis longtemps, nous avons travaillé avec plusieurs gouvernements haïtiens pour contrôler le trafic de drogue, parce que ça, c'est un impact direct en rôle de financement des gangs. Et même nous avons vu que l'ancien président a aidé plusieurs gangs. Alors maintenant, c'est le moment que nous avons trouvé assez d'informations au sein du gouvernement pour prendre cette décision. Nous savons que le Canada a fait des sanctions avant et il y a des autres qui doivent faire leurs décisions au niveau de l'ONU. Mais pour nous, c'était important parce que, bon, si je peux passer en créole, le besoin frapper criminel à cravate, même gens à criminel à examen. C'est important que, et même aujourd'hui, le secrétaire d'État a dit que n'importe quel rang, quelle position, c'est important que les élites qui font des efforts pour déstabiliser Haïti, pour compliquer la vie des Haïtiens, doivent être traités dans le même sens. Voir ce temps de là, c'est voir ambassadeur américain. Denis Sanking, qui était au Cap Haïtien, qui était dans le micro radio Kiskeya, qui t'a parlé de sanctions qu'il prend contre ancien président Joseph Michel Martelly. Dirigeant
Human Rights Watch Organization, qui c'est Josué Renault, lui-même, lui pas mettre de la bouche, lui. Pour t'es intervenu, elle pas quoi, t'es gagné aucune raison qui justifiait pour le département d'État américain, n'a quitté moun traversé, rentrer en Haïti, et que gagné deux exemples, lui prend ces mêmes situations, moun ça a été, c'est pas ça a été comme accès. Il va comprendre ça qu'a fait là. Écoutez ça. C'est avec une émotion mixte que nous apprenons les nouvelles là. Et c'est une nouvelle qui grave dans la mesure où c'est OFAC, qui c'est l'Office of Foreign Assets et de Ministère Trésor, qui annonçait, et m'a cité, que Michel Martelly impliqué dans le trafic de drogue, cocaïne, ligué accusation blanchiment d'argent, ligué accusation support aux gangs. Est responsable de l'aggravation crise en Haïti. Alors, face à de telles accusations et qui graves, nous ne comprenons pas comment que ce n'est pas shérif Kalakai Michel Martelly qui a l'arrêté, dans la mesure où le parlé de crime n'a pas gagné plaisanterie là-dedans, ici aux États-Unis. Si c'était un jeune garçon qui était 20, 22 ans, que vous avez joué de cocaïne concernant elle, il a passé toute la ville dans la prison. Et je me rappelle pour l'auditeur qui est là, qu'en 1988, vous avez accusé Manuel Antonio Noriega de la question cocaïne avec drogue. C'était une armée qui était à l'arrêter. Elle a passé plus que 20 ans dans la prison aux États-Unis. Et puis près de nous, en Haïti, vous avez arrêté un ancien président Sénat. Tirer les fourrelles célestins, hein, pendant que le président Sénat, il a arrêté le coup de drogue, il a arrêté Guy Philippe, la question est drogue, alors que l'idée du sénateur élu. Pour qui ça, les États-Unis, a protégé Michel Martelly? Pour qui ça? Parce que, certainement, il a gagné, parce que il a gagné de bonnes évidences, non, mais yo, que Michel Martelly est impliqué dans drogue, cocaïne, que l'in a blanchiment l'argent, que l'in a gagné support avec gang, nous ne comprenons pas pour qui ça, il y a fait la loi comme ça. Nous prenons le goût même, bon côté pas nous, pour que les États-Unis agissent en conséquence parce que nous ne pouvons pas gagner deux poids, deux mesures. Un poids pour Michel Martelly, un poids pour six noirs aux États-Unis, petites américains, que les ont arrêté, eh bien, ils ont fermé en prison pour longtemps parce qu'ils ont accusé de la question cocaïne. C'est ça qui fait nous parler de discrimination qui gagne ici aux États-Unis. Ça veut dire son justice aux États-Unis qui gagne deux pédales. Il y a une pédale pour Michel Martelly et il y a une pédale pour Tinoir, Tinoir régulier, que joue dans la machine avec cocaïne, il y a arrêté, il y a passé un bon bout de temps en prison. Je dis, on a demandé les États-Unis d'Amérique, gouvernement Biden, département d'État, département Trésor, et qui valent leur morale, il n'y a pas le non, avec des gros voix, les gueux, ils n'ont pas capable. Pas justice à moun qui pas fait crime qui ont mis en prison avec yon moun yon dit yon gen documentation de participation Michel Martelly. La question drogue, cocaïne, c'est pareil, cocaïne, elle était président, li nan blanchiment l'argent, li supporte gang et li responsable aggravation crise. Donc je dis à la demande en anglais. Where is the outrage? Ça va passer les États-Unis. En tout cas, au niveau de New England et alliés, nous allons faire toute pression possible et imaginable pour que les États-Unis au moins redorent le blason. Parce que moi-même, New England Human Rights Organization. Selon Père Amos George, les noms des pères sont prêtres, mais qui gagnent deux temps. Li nan chapel politik Piti Desaline e an menm tan li gen chapel religye li menm pou l'adori. Men, san pral dan de la, se pa sou trouni la prezante mesaj ak fidèl yo, men se pito la planse mesaj ak patizan politik li, el pale ke nan Milo, komune Milo gon gang. Gon gang nan komune Milo, et gang za li akuse l de tout sort. Et pa ba non gang la. Ouais, mais pa ba non gang la, mais tout
Déclaration Chita sous malmené, père était très malmené, l'elle te prend plusieurs coups de drapeau, non mais, on sait de militants qui n'ont même chapelle politique à lui, et que l'identifier yo. Mais comment père lui-même t'a réagi dans Micro La Presse, côté déclaration? Bagay yo an pil, yo pa piti, an menm tan yo pa mens. Malgre jan wè sosyete a ye la, l'Etat Haïtien deja dekrete etat d'urjans sou 5 departman. Mem le gen se yon komun yo pren la dan, mem le gen lot, yo pa beze etat d'urjans, men mem l'Etat sou fin tout. E ou tande, mache prese ap fèt a patir de 31 out ki pral vini la, Conseil présidentiel transition en bas tête li mandat, tabli yon conseil électoral provisoire et que secteur ou même a réuni monte descendre. Gen deux secteurs. Si yote fait éducation civique, on si la kayo, tant que le vaudou. Et si secteur monde évangélique là, te bay formation. Même si c'est 10 minutes, yo t'a réservé dans classe école dominicale que vous présentez chaque dimanche pour t'a former citoyen yo sur qui ça la loi pays yo di yo, même j'ai expliqué yo les 10 commandements dans Bible là et chrétien pas t'a quitté pasteur Chavan qui était candidat pour t'a voter Atis. Chrétien non plus tout. Pas ta boudé élection côté monde évangélique là, gen représentant, gen candidat li pour le pas al voter et qui ne dit rien consent qui vient accoucher avec un artiste président journée jodia qui a sanctionné par l'international pour comportement de la honte. De secteur sa yo retrouvé aujourd'hui. Malgré que Jean Pays a fonctionné là, le Sud, c'est Rel Kaima Korel, pas gen voix ni dans la mer, ni à terre. Voix en l'air même, ça c'est by fin de quoi. Et aux alentours de problèmes, ça gagne en Sud, c'est encore l'État, avec de grands barons qui gagnent l'argent en main, qui n'ont connivence avec groupe armé. Qui bloquait le sud. Idem pour le nord. Le nord, c'est notre prix souple et c'est sous peut-être grâce seigneur de guerre
qui contrôle les routes nationales numéro 1 depuis la Tibonite à Canaran, route nationale numéro 3 qui au même bypassé sous fond de paiement. Pas mandem pour République dominicaine vers Kwalè-Bouquet. Ti ponyen qui retenait dans Port-au-Prince à hauteur de Pétionville-Kinskoff, c'est seul tout secteur qui voulait al brasser l'argent pays. Ouais, Haïti paraît pour faire référendum, li paraît pour faire élection et pour joindre l'église avec le vaudou divisé. Si le royaume semblait camper loin, secteur vaudou, li pa di ay nan tèt yo pou rejwenn yon représentant. Yo gen tan sou 3 représentants là. Bon, rete pa l'église, c'est même situation, pasteur ka plein yo want et que l'église pral gen représentant. Mais alman de fidèl yo, est-ce que jam gon représentant ki réuni avec yo, ki parle avec yo de affaire pral nan élection nan conseil là, est-ce que yo d'accord ou pas? Non. Parce que yo pran moun yo tan kousé nan la armée yo e, depuis Bible la fin nan men yo, tête yo maré, c'est tout. Y a tande Jésus vini, mais yo pa besoin wè anyen ici bas. Mais yo même pasteur yo a fait ici bas intéressé yo. Et comme si yo poko ekon mayo pou ekon imbécile nan do chrétien yo. Idem pour le monde et pour monde vodoua. Bara yo pwès. Nan monde vodoua tout, ou konnen vodoua li même li gen point. Li gen deux bagaille li fait moun nan pa ka pran bal, li pa ka ceci, c'est l'autre bon, l'obéi. OK. On quitte ça là. Nous pas en mesure là pour y parler de formation conseil électoral provisoire, pourtant pas gagner sécurité ministre intérieur qui nan en dans conseil sécurité, pas cal dans local li en bas. Hein? Qui a parlé? Monsieur CTPO. Oui, monsieur CTPO, c'est dans le chambre hôtel yo yé. Chaque nèg yo gen près de presque 20 consultants pour nous badi dans cabinet yo gen 20 employés pour nous badi 20 membres qui yo même qui côté yo mete yo, nous pas connait 20 9 nèg pa caché dans primati. Côté place hôtel, on non palais et non palais lité oui, non palais. Alors même situation pays d'Haïti et ou un secteur protestant lui-même Saint-Esprit Baldo n'est presque un coup de poing pour vos membres. Maintenant qui ça société haïtienne li retrouvé li. Entre-temps nous pral avancer situation ville provinciale à capitale Port-au-Prince sous affaire dossier insécurité yo presque vle faire peuple blier dossier 3 conseillers dans corruption fait peuple blier dossier l'hôtel envahi yo prend bagage ceci sur l'autre bord blier un paquet dossier monsieur qui trouvait yo dans détournement de fonds dossier Petrocaribe pour y distrait yo là qui vient blen grandance bayon l'autre bois calé dans weekend nan pour arriver mardi qui saute passé là environ chiffre qui avance by 14, gen l'autre qui parle de 7. Mais ça qui était certain, c'est que population a revendiqué. Gen plusieurs communes qui étaient coincées en bas de monsieur yo, surtout commune Mafran, Alprin Chambellan, rivé sous Ansdeno. Eh bien, Baza qui était gagné yon chef qui pote nom Mosli, gen pour nous 25 secondes, c'est l'acte numéro 1. Population arrivée mette main dans l'estomac ti bonhomme nan et voyel al devant baron. 3 déploiements populaires te fait pour te arriver un résultat ça. Premier déploiement, te gen 200 nèg qui te gen manchette en main, te fait première opération yo ak quelques green policiers. Deuxième déploiement, te fait à 500 nèg ak manchette en main. Ça qui t'est accouché avec plusieurs morts. Et troisième déploiement qui s'est fait dans le week-end, 900 nègres t'est mobilisé pour te marcher sous seigneur de guerre, chef groupe Mosli a dirigé. Et c'est là, population a quoi, yo démantelé, base ça,
Et on t'a accompagné avec la police nationale. Pour nous rappeler, pour nous dire, policiers, ça y est, pas gagné véhicule, c'est motocyclette pas yo qui personnel là yo même, yo utilisé pour aller voir population an, et le route pour yo battre pour arriver dans le milieu de rivière, yo ka passé 3 à 4 heures de temps pour yo arriver côté au Galéa et là arriver tout de suite après, yo pas capable de casser tête tourner si l'opération a duré 3 jours, yo fait 3 jours là et pas gagné. C'est pas la police qui veut aucun moyen, c'est peut-être la population avec chef yo qui a dégagé. C'est comme ça bagay yo ye, nan ka sa anse de nos grand dans lan li démantelé yon base et ça c'est peuple souverain avec quelques graines policiers sans rien en main yo, parce que Port-au-Prince pas presque ouais le sud parce que même la agressière pas capable bay passage. Yon coup de pied dans Pèlerin 9. Habitants dans Pèlerin 9 a demandé l'État Port-au-Prince là. Secou, pour tel secou, pour individu à examen, cap persécuté yo, entre la caillou, fouillé yo. L'endou Pèlerin 9, pas mandem si c'est l'autre Boalier, si c'est Cité Soleil. Et, ni non plus, pas dim tout si c'est connu un grand Boalier. Pèlerin 9 là, il est situé li, dans la commune Croix des Bouquets, et lors quitter d'eau, commissariat Pétionville là, on va peut-être courir à peu près 5 km comme ça, on va brûler. Et comme ça, dossier yo trouvé yo sous territoire national, pays d'Haïti. Encore, dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, Delma 75, fusillade. Yon fusillade qui t'a coûté la vie à deux garçons parmi yo, et monsieur Sayo. Yo, c'est balle qui touye yo, c'est un véhicule qui te gen nèg ak bol aksam qui pas privé identifié, qui te gen tout sang froid yo pour yo te prend monsieur yo, déshabiller yo, bay yo cartouche et puis virer deux aller. Attaque ça t'est arrivé dans fin journée, mois d'août qui c'est 20 d'août 2024. Youn nan victime yo te pote nan Murat et deuxième nan c'est Woody. Murat lui-même, yo te gen yon kat badge la presse sou li et badge la pat lisib pou te wè a ki presse li aparteni, par faute que san yo te bouché ekrito ki te sou badge yo. Nan même moment hier la, si Delma te gen kou sa, nan Solino, monsieur Vivant Sambio te montre que Solino nan men yo. Vidéo tap montre des hommes armés qui coincés, bon, monsieur Kempesio, qui a sablé yon mu, qui t'a écrit Bienvenue Solino, pour montrer Solino tombé en bas main yo. Et même après, même jour, qui c'est mardi 20, hein, en bas la ville là, tout collé par les nationales, nèg exam tap, ou t'es capable démeubler faculté des sciences pendant FADH. T'es en dans palais, directeur police nationale là, t'es en dans palais, conseil présidentiel là, t'es là, primati qui c'est chef CSPN, t'es là. M'pap pas de plus, qui t'aime plein. Bah, en pile, yo pas piti, et en même temps, yo pas messe. Bah, yo presse, Saint-Jean du Sud, bon côté Pali, alerte Port-au-Prince. Yon groupe nèg aksam ki presque pren forme gang nan commune Saint-Jean du Sud et selon agent intérimaire Joseph Estimé Dupont, c'est non ça, Joseph Estimé Dupont, li confirmé information que réseau nèg aksam yo li vraiment existait et li te confié information ça by Vanbeuf Info jou ki te mardi 20 d'août 2024. Groupe Negaxamio, by base là non l'armée si manchette. Monsieur Sayo déjà fait plusieurs victimes dans la région. Hein? Et agent intérimaire a tiré à l'État Port-au-Prince sous présence gang si manchette. Et commissariat Saint-Jean du Sud, beaucoup de pas gain véhicule. Selon ça qui avançait, commissariat Saint-Jean du Sud te gagné un véhicule. Et véhicule ça, il était transféré dans commissariat Gressier. Et depuis lors, il y a eu la monsieur, pas même, avec une bicyclette.
Cinq journalistes sous visa des CPJ pour traîner devant la justice, comme quoi journaliste ça yo t'a affilié à gang et des CPJ t'a recommandé. Et t'a recommandé côté lié mettre mandé pour émettre mandat d'amener contre Evanson, Jourainville, Machado Wilmer, Mackenzie Victor, Stanley Jarcis Mano, et Stanley Jarcis Mano, Machanzin, Haïti, ak Jean Gordy. C'est suite à l'arrestation Ivner Sila Fanon. L'arrestation a été faite dans le mois de mars 2024. Et c'est suite avec lui, M. Sayo même. Yo t'a gagné pour comparaître à tout si toutefois mandat d'amener ça yo t'a metté à exécution. Maître Arnel Rémy, qui c'est numéro un cadeau, lui-même, dans une conférence pour la presse, lui déjà présenté comme avocat pour aller discuter dossier ça yo pour cinq journalistes ça yo, lui croit qui pas mérité. Et traitement que la police nationale, le gouvernement Abayoa, et lui-même mal posé question, est-ce que la presse là pas gain droit aller dans conférence de presse groupe armé? Et c'est même position ça, Maître Reynold George lui-même lui avancé dans et analyse que lui-même il fait mélange avec réaction lui-même il fait. Les CPJ ont un petit dossier devant là. Ce dossier, si toutefois ancien président Joseph Michel Martelly a traversé là, tout le monde peut regarder, vrai, est-ce que les CPJ sérieux dans sa labdio ou bien ils souffrent de quoi? L'autre question qui posait, comment vous êtes capable et l'hôpital La Paix, mettez deux mains en tête. L'hôpital La Paix en face de crise, côté service la saturé, non seulement dans la section maternité à lui-même, avec urgence là, yo pas capable de répondre avec des demandes qui arrivaient devant yo. Et l'hôpital La Paix gagne l'autre difficulté pour ta répondre avec l'autre service livré offri et la demande avec ministère santé publique. Bon, ministère santé publique, mes amis, pas gagne l'autre hôpital, n'importe où prince là encore. Pas l'hôpital général, ça que sous gang, yo presque fin tombé, centre pédodontique, qui dès l'hôpital là, il y a un problème là-dedans, il va pas ça arriver là-dedans. Al prend bas la ville là, qui te gen l'hôpital chancelier à clôture fermé, parce que parler de Cité Soleil, c'est même genre, bon repos pas gagné, bon. Mais c'est ça, l'hôpital La Paix, qui yon côté, bon, ministère de la Santé, ça va régler l'épidémie, faut qu'il y ait moun pour cacher. Apito ete vre, kon sa? Alan tra kamese, moun ya peri, e pi, minis la li mem li kwaze koli, lop... Ah, mesami! Bon, ou kwa preme minis la li mem li te di kon sa, se l'opital gen interese, apre l te fin, li te fin pa son mouve nwit, bakay kon sa. PM, Delma 33 pa loin, non? De primati. Pasay wap fe, ap ap gen problem, PM. Repon nan, pe pa... Ou ap mache l'hôpital général tout la journée, pas ka recevoir malade. Rive l'hôpital Delma 33, Delma 31, si m'pas trompé. Et tout le monde ap comprendre la situation, y a vraiment vous prendre. Et ou te dit l'hôpital c'est premier cibou. Montrez ça, l'hôpital là, pas ka plein, non? Celle que n'importe quoi ça là. Après ça, les médecins sans frontières, lui-même qui gagne de services spéciaux, et bien que c'est accidenté, lui-même, lui gère au bien, monsieur. Monsieur, avin bay parol, fè wè nou. A yon moun ki pral aksepte al ankwaje moun diya ba nou la, tout moun konen nan moul nou ye ya, mèm vi nou fri la pou nou esina sove, sak pou sove, si nou serye vre. Mè nou konti kal kredi, rive lot bo APM, gade gen bay la yi, paske ou te pote dosye Haiti a fè yu jou deyo, mè la pe a tou pre ou. Fonjan, ou al l'hôpital général plizye fwa, fonjan APM. Bon, je ne vais pas parler à M. Neuf Tête. Neuf Tête, même, vous êtes dans qui ça, oui. Et, font Jean, bah, en pile, yo pas piti. En même temps, yo pas mince. Quel autre point pour nous avancer à coup, mais l'heure fait nous la guerre, bien que nous-mêmes, nous ne battons pas contre bataille, mais nous, l'heure fait nous la guerre.
Nous préférons mettre nous en mode capon, nous couler. Vois pas, M. Lalanne Fritz, qui t'a informé au prochain PM. Au revoir.